À toutes et à tous ces amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex pour Blockchain Capital, on se retrouve ce soir samedi 23 décembre pour le débrief hebdo de la semaine, mais pas tellement pour une préparation de la semaine prochaine comme je le disais, puisque la semaine prochaine... On va coupler un peu, on va souffler un petit peu. Donc l'idée ce soir, ça va être de faire un premier bilan sur l'année 2023, de l'année 2023, et une première préparation de l'année 2024. Bien évidemment, ça, on le fera de manière plus aboutie, plus approfondie, le week-end prochain et début janvier. Mais c'est histoire ce soir de faire une première étape. Comme je vous le disais, on va surtout débriefer la semaine qui vient de s'écouler qui a quand même été assez intéressante sur les marchés et puis on va profiter justement pour faire un point de marché global sur la situation actuelle. Juste avant de commencer comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un premier point donc sur le marché Crypto euh, ce soir. Bon, là c'est le week-end, forcément, on a un marché assez calme. Mais si on regarde sur les 7 derniers jours, on a eu un marché crypto assez intéressant. Et surtout un marché crypto dans le vert. Bitcoin qui reprend environ 4,5%, Ether plus 3,4%. Et qui d'ailleurs, sur la fin de semaine, a surperformé Bitcoin. On y reviendra juste après. Et puis sur les Alt, c'est là où c'est la folie. Alors sur les Alt, c'est un petit peu plus hétérogène, c'est un petit peu plus. Euh, euh, comment dire euh, Dispersé. On en a certains qui ne s'arrête pas de monter. Je pense au Solana qui est quasiment aux 100 dollars, BNB qui prend des jolies couleurs, ça tombe bien, on en avait acheté le week-end dernier, ICP, Nirvette etc, etc. Et à l'inverse, on en a d'autres qui sont un petit peu plus en difficulté, et qui commencent à retracer. C'est le cas de Tao, c'est le cas d'Avy, c'est le cas du Cas, du Tia, du Rune ou encore du bonk le euh, même coin sur solana d'ailleurs j'ai vu une stat absolument délirante on a plus de 200, euh, 2000 jetons pardon qui se sont euh, lancés sur la blockchain solana lors euh, des dernières semaines c'est absolument dingue alors attention évidemment la plupart n'ont absolument aucune valeur mais c'est quand même hyper impressionnant alors bitcoin bitcoin bah là c'est le week-end il commence un petit peu à rentrer en phase d'hibernation probablement qu'il devrait rester dans cette configuration jusqu'au début du mois de janvier. Là, on est en phase de range. Ok, très clairement, depuis mercredi après-midi, on est bloqué entre cette borne des 43 200 et des 44 000, allez, on va dire 350, 400 dollars. Et c'est pas du tout impossible qu'on reste eh bien, dans cette borne pendant quelques jours ou même quelques semaines. Globalement, si on dézoome un petit peu sur du 4 heures, c'est pareil. On est en train de former une sorte de range entre les 41 500 et les 44 800 dollars environ. Okay pareil, on voit qu'on a une stabilisation du cours qui s'effectue depuis quelques semaines. Et puis en soi, bah, si on regarde les datas du marché, c'est assez logique. On a un open interest. Qui est flat, on a des fondings qui sont quasiment neutres, et du côté des spots, c'est en train de se calmer, même si on a pu voir cette semaine qu'il y avait eu quand même un petit peu de mouvement, avec des spots qui étaient dans un premier, premier temps pardon, vendeurs, et puis qui étaient repassés acheteurs au fur et à mesure de la semaine. Mais globalement, on est sur des datas, sur des données de marché, plutôt calmes, et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Maintenant, attention, c'est pas parce que ça va être calme sur Bitcoin, et que c'est calme sur Bitcoin, que ça va l'être partout. On a vu sur la fin de semaine qu'Ethereum, s'était réveillé un petit peu face à BTC, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment maintenant, et ça s'est effectué. On le voit déjà en regardant la paire Ethereum-BTC, on voit que justement depuis mercredi soir, on a eu un joli petit rebond d'Ethereum. Et puis en plus de ça, en plus de ça, enfin surtout ce qui a permis cela, c'est surtout le fait qu'on a eu un retournement, une baisse de la dominance du Bitcoin justement là aussi depuis mercredi soir. Donc même si Bitcoin potentiellement reste calme jusqu'au début du mois de janvier ou même plus plus longtemps, c'est aussi possible, eh bien ça pourrait potentiellement permettre à Ethereum de lui surperformer le marché et d'emmener avec lui les altcoins. Si on regarde sur la capitalisation des alt, on vient aussi de passer un niveau de résistance assez important. On va regarder ça tout de suite. Donc, pour ceux qui veulent voir, je vous invite à aller checker le total 3 sur TradingView. On va en gros avoir la market cap, la capitalisation des cryptos sans Bitcoin et, sur et sans Ethereum. Et là, on voit quand même qu'on a, on a passé des niveaux de polarité assez intéressants, assez importants, ce qui pourrait déclencher des mouvements haussiers assez intéressants, assez pertinents sur justement les alcools. D'accord Donc, ça, ça va être un petit peu, moi, mon axe de travail j'ai envie de vous dire mon axe de réflexion pour les prochaines semaines sur le marché crypto alors je sais je l'ai déjà répété la semaine prochaine je vais couper un petit peu je vais souffler un petit peu mais je vais quand même observer un petit peu ce qui va se passer sachant que j'ai quelques petites positions spot par ci et par là Notamment sur des altcoins que je vous ai partagé ces dernières semaines. C'est le cas de STX, c'est le cas du Woo, c'est le cas du BNB, du FET, etc., etc. Il y en a plein, plein, plein qui sont très intéressants et qui ont beaucoup de potentiel. Attention, je ne vous dis pas ça, euh, enfin ce n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, c'est des choses qu'il faut surveiller. Okay Comme je le disais, Solana lui continue de s'envoler et se dirige tout droit vers les 100 dollars qu'on avait effleurés. Euh, dans la nuit de jeudi à, à vendredi, et puis là qui, qui devrait probablement les toucher dans le week-end ou euh, pour Noël, donc ça vous fait un beau cadeau hein, pour ceux qui sont posi sur, positionnés sur Solana. Bah, franchement, très très beau cadeau de Noël. Moi, j'ai quelques petites positions aussi à court terme sur des alt, positions qui sont un petit peu compliquées. J'ai frôlé l'ESL sur Ordi euh, dans la nuit là de, 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 de samedi, enfin euh, dans la nuit qui vient de s'écouler, et puis là on est en train de repasser dans le vert donc. Ouf, je souffle un petit peu, ça fait du bien, je vais en profiter très probablement pour euh, sécuriser ma position assez rapidement, histoire de partir justement en vacances, l'esprit euh, tranquille. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Le JTO du coup qu'on avait essayé de longue mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été très très concluant euh, pour le moment. Et j'ai une petite position à l'achat aussi sur AV. AV euh, sur lequel je me suis positionné pour une position swing. Alors ça a très très mal commencé, là aussi j'ai frôlé le SL. Et puis au final le AV qui semble reprendre un petit peu des couleurs. Donc si on arrive à réintégrer cette structure. Sur du 1h, sur du 4h, ça peut être très très intéressant pour la suite. Je trouve quand même qu'on a des charts assez bullish sur certains Alcoins, mais là encore une fois, je vous les ai partagés en détail dans le serveur Discord, donc je vous invite à aller voir cela. Bon. Dans l'optique, je vous repartage un petit peu un autre scénario, un autre point de vue, et je terminerai sur ça pour le marché crypto. Dans l'optique et dans la possibilité où potentiellement on n'aurait finalement pas de baisse de volatilité pendant cette période et qu'on aurait un BTC qui resterait volatile, moi je suis toujours dans l'optique initiale dont je vous parle depuis un moment, c'est-à-dire un dernier mouvement haussier vers les 45 000 dollars avant d'aller chercher du dump. C'est ce que confirment les données d'ailleurs pour le moment si on regarde notamment du côté de l'order book, pas de changement de ce point de vue-là. Là aussi je fais référence aux différentes vidéos que j'ai pu vous partager tout au long de la semaine sur la chaîne YouTube et puis évidemment aussi à tout le contenu qu'on vous partage quotidiennement dans le serveur Discord. OK Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché des cryptos et on va terminer avec une dernière stat qui est assez importante pour moi, c'est celle-ci. 90 des wallets Bitcoin sont actuellement en profit. C'est beaucoup trop et c'est beaucoup trop tôt surtout pour avoir autant de personnes en profit actuellement sur le marché crypto. C'est clairement un des indicateurs qui peut personnellement me faire dire que on est proche d'un top local et que le marché s'apprête à prendre une grosse respiration vers le bas, à liquider certaines personnes avant de repartir à la hausse. Pourquoi Parce qu'en fait, vous le savez bien un marché c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir tout le monde qui gagne, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Donc à partir du moment où on va avoir trop de personnes en profit sur le marché, eh ben, c'est là généralement où le marché va respirer, va retracer pour justement sortir une partie des acteurs. Alors attention, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'on va retracer demain ou après-demain. Peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite, et puis peut-être que ça va être un retracement assez progressif c'est tout à fait possible mais en tout cas c'est des données qui sont évidemment à prendre en compte dans euh, le, le, le momentum vous savez je vous parle très souvent de momentum en investissement en trading bah voilà ça c'est très clairement une donnée qu'il faut prendre en compte pour avoir euh, une bonne compréhension du, du, du momentum et donc avoir un bon timing de positionnement sur le marché c'est vraiment extrêmement important. Voilà ce que je pouvais dire pour cette première partie sur le marché crypto. Encore une fois, pour tous ceux qui posent des questions, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai en deuxième partie de live. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Et alors là, on va avoir aussi pas mal de petites choses à dire, puisque cette semaine a été marquée par la cassure du support technique des 102 points du dollar. Le support technique des 102 points, c'est quand même une zone très très importante pour le DXY qui pourrait annoncer une chute beaucoup plus importante sur l'année 2024. Alors ça c'est d'un point de vue technique. Le truc c'est que d'un point de vue macroéconomique euh, et fondamental, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas impossible quand même que par exemple la semaine prochaine ou à la rentrée on ait une réintégration cette structure des de points pour revenir chercher un petit peu plus haut. Ok Donc il faudra rester très très prudent vis-à-vis -vis de cela. Mais en tout cas c'est l'un des faits marquants de, euh, de, de cette semaine et globalement de cette fin d'année 2023. Puisque globalement, effectivement, depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, on a quand même une baisse du dollar assez importante, qui correspond, d'ailleurs, et c'est tout à fait normal, eh bien, à la stabilisation des taux d'intérêt directeurs des banques centrales, et notamment de la Banque centrale américaine, à savoir la Fed. Okay Cette baisse du dollar, elle a permis aussi, à côté de ça, eh bien, de très bonnes performances des marchés financiers traditionnels. Aujourd'hui, je tenais à vous parler des 7 magnifiques. Donc, pour ceux qui se demandent ce que c'est, les 7 magnifiques, ce sont les 7 plus grosses capitalisations américaines. En gros, c'est une extension des, GAFA, des GAFAM. Ces 7 magnifiques, ben, vous le voyez, ils sont sur des plus hauts historiques, des performances absolument extraordinaires. Okay On dépasse les 55 points sur l'indice Bloomberg Magnificent 7. Euh, Maintenant, attention. Là aussi, il faut nuancer. Il faut mettre en perspective ces performances absolument dingues, absolument énormes qu'on a pu avoir, notamment sur cette fin d'année avec un très gros rallye sur le mois de novembre-décembre. Il faut bien comprendre que une partie de ces performances sur l'année 2023, on l'a déjà expliqué, elles sont dues en partie à de très grosses performances du secteur de la tech aux États-Unis qui a clairement surboosté les marchés américains. On l'avait vu notamment avec le S&P 500. Si, euh, duquel on, 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 on ponctionnait en fait la volatilité et l'évolution des prix euh, du secteur tech avec notamment l'action Nvidia hein, qui a clairement été l'une des plus porteuses sur les 2023 et bien en fait on avait des des, 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 des comment dire des performances du SP 500 qui étaient divisées par 3 donc voilà ça c'est un truc important pourquoi c'est un truc important et eh bien parce que actuellement et je vous en ai parlé tout au long de la semaine les investisseurs commencent à vendre les actions des big tech, des euh, grosses capitalisations de la tech. Et donc, si on a ces grosses pondérations des indices américains qui commencent à souffler un petit peu, qui commencent à se retourner un petit peu, et bien ça pourrait entraîner du retournement sur les indices. Au-delà de ça, on a aussi toujours certains risques de récession, certains risques de déséquilibre économique qui pourraient réapparaître sur l'année 2024 et dont on reparlera bien évidemment sur euh, les prochaines euh, séances, sur les prochaines vidéos et sur les prochains lives. Mais globalement, c'est quelque chose, un fait marquant qu'il faut retenir quand même sur cette année 2023, c'est ces performances absolument dingues des indices américains. Cette semaine, on a eu quelques petits signaux de faiblesse quand même hein, sur SP, Nasdaq et le Dow Jones, notamment mercredi soir où on s'est fait une petite frayeur et puis surtout avec une remontée du VIX, étonnant, cette fin d'année qui a été accompagnée euh, d'un petit coup de stress sur le marché. Euh, pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a pas forcément une raison en particulier, comme je vous expliquais, c'est plutôt un agrégat de plusieurs éléments qui viennent expliquer cela. D'accord? En tout cas, on voit très bien que un, une, euh, un mouvement de stress sur le marché, une remontée du VIX, sera inévitablement accompagnée d'un mouvement de retracement sur les indices. Alors les indices américains, comme je vous le disais, qui ont montré quelques petits signaux de faiblesse, ça a été le cas aussi sur les indices européens qui commencent un petit peu à souffler, qui commencent un petit peu à ralentir. Même si on aurait pu s'attendre à plus, je pense notamment au FTSE, euh, donc l'indice des des, cap des compagnies euh, britanniques sur lequel on s'était positionné début de semaine suite aux données macroéconomiques de la banque centrale anglaise. Au final, lui aussi a été très résilient vis-à-vis -vis de la situation actuelle. Donc voilà, on reste quand même dans, des, dans une situation de marché où ces derniers se concentrent principalement sur les datas qui vont dans leur sens et qui négligent totalement les mauvaises nouvelles. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que nous a fait le marché crypto aussi euh, sur cette année 2023. Ok Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Pour ce qui est des devises, je vous, ai, je vous ai déjà un petit peu expliqué comment je fonctionnais vis-à-vis -vis du dollar. Je voudrais faire un dernier petit point quand même sur les commodities, donc les matières premières, l'or qui naturellement est remonté et reparti à la hausse étant donné qu'on a eu une chute du dollar, et puis le pétrole qui est toujours dans un flux haussier à moyen court terme, ce qui devrait globalement être à l'image de l'année 2024, en tout cas personnellement c'est ce à quoi je m'attends pour l'année 2024. Alors attention peut-être pas l'ensemble de l'année, hein, il peut se passer beaucoup de choses en 12 mois, mais en tout cas pour la première partie 2024, je vais plutôt avoir un... Un, un, un flux haussier, un flux acheteur euh, sur, le, sur, le, sur le pétrole américain. Okay Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bon, globalement, cette fin d'année elle a été marquée, je vous le disais tout à l'heure, par une stabilisation des taux d'intérêt directeurs de la plupart des banques centrales, notamment euh, la, la Fed, et puis elle est marquée aussi par euh, un soft landing qui fonctionne extrêmement bien du côté américain puisque la croissance euh, se porte bien du côté euh, de, des États-Unis malgré une hausse quand même assez forte des taux d'intérêt directeur sur ces derniers mois. Euh, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de l'Union européenne, je vous l'avais déjà expliqué puisque euh, nous euh, de notre côté, on a un soft landing qui ne enfin on n'a pas de soft landing en fait, on a plutôt du hard landing puisque du coup, eh bien, on a une situation macroéconomique économique, économique euh, qui est j'ai envie d'employer le mot désastreuse. Euh, je pense que c'est pas du tout exagéré d'employer ce terme-là. Donc voilà un petit peu ce que, ce que je pouvais vous dire là-dessus. Euh, comme je vous disais. Euh, alors non, on va faire un petit point juste avant de, de, de finir euh, sur les résultats de la semaine. Donc globalement, une, une meilleure fin d'année. Enfin, euh, sur, sur les dernières semaines, j'ai été un petit peu mieux. Bon, globalement, je vais y venir, et c'est la dernière partie de ce live dont je voulais vous parler. C'est que globalement, j'ai eu une fin d'année. 2023 qui a été compliqué en termes de résultats, vous le savez, j'ai surperformé mes performances habituelles entre janvier et août, et depuis août, j'ai des performances qui sont beaucoup plus compliquées. Mais, mais ce qui est encourageant et ce qui me plaît pour l'année 2024, c'est que j'ai bien fini ces deux dernières semaines, le mois de décembre a été un petit peu mieux, ok Donc ça fait du bien, euh, maintenant il reste encore du travail et je vais profiter justement de la semaine prochaine où je vais couper un petit peu, et eh bien pour, euh, comment dire, pour, pour, pour prendre un petit peu de recul avec le marché, du recul sur mes performances, sur mes stratégies, sur mes méthodes, peut-être faire peu, quelques petits ajustements. Et, 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 et voilà. Donc, globalement, vous le voyez, on reste quand même sur une très bonne semaine. Hein. Euh, C'est plutôt encourageant. Donc, euh, voilà, il faut continuer comme ça. Euh, donc, vous l'avez compris, semaine prochaine. Chez Blockchain Capital, ça va être beaucoup plus light, euh, quasiment pas de live. Il y aura quelques petites vidéos, il y aura du contenu dans le serveur Discord, mais on va être beaucoup moins présent euh, euh, en format live et vidéo. Alors, on va continuer quand même à travailler parce qu'on est en train de bosser sur des trucs vraiment exceptionnels qu'on va vous partager début d'année 2024. Donc, on va faire un travail un petit peu plus dans l'ombre, mais euh, voilà, on va en profiter aussi pour se reposer un petit peu, pour souffler un petit peu. Ça fait du bien et c'est très très important de le faire pour rester performant, pour rester productif et, euh, et voilà, tout simplement. Ok Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire euh, aujourd'hui les amis. Euh, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont en live, on va rester ensemble, je vais couper l'enregistrement de la vidéo YouTube et on va ensuite pouvoir discuter, répondre à un petit peu à toutes vos questions. Euh, bon j'ai pas forcément fait de, de préparation pour les 2024 mais comme je me le disais je pense qu'on le fera plus tôt dans les, dans les prochaines semaines euh, et déjà euh, le week-end prochain mais aussi euh, dès le début du mois de janvier Voilà les amis, pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube, merci beaucoup, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, rejoignez-nous sur le serveur Discord. Je rappelle aussi que vous avez toujours 20% de réduction sur l'ensemble de nos services chez Blockchain Capital jusqu'à la fin du mois de décembre, donc c'est le moment d'en profiter. Et puis, euh, et puis voilà. Ciao tout le monde pour ceux qui sont sur YouTube. Ciao a tutti!